Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, c'est Jérémy350 et aujourd'hui on se retrouve pour l'achat du skin Athena Piper, ou Piper Athena, hein, si j'ai pas conneries en anglais. Je me redresse un peu mieux, voilà, c'est bon. C'est chaud de la position quand on s'assoit. Alors, Athena Piper, donc voilà, un skin de Piper, ça c'est génial, inspiré de la déesse de la guerre Athène. Voilà. Alors, il n'y a pas le spray, hein, pareil, hein, comme avec le skin debout, il n'y a pas le spray, mais je vous parie, parce que je tourne la vidéo le lendemain, hein, parce que le skin est sorti le lendemain, ou le skin de Minotaur Bull, où j'ai tourné le skin de Minotaur Bull, donc voilà. Pareil, des offres avec, hop, t'achètes ça, t'achètes le skin, t'as un star drop gratuit, et après t'achètes du gold, t'as des star drop, tu rachètes du gold, t'as des star drop, et t'as un star drop légendaire. C'est bien, mais ça coûte vraiment cher, hein. Déjà, ça fait plus de 300 gemmes, hein. Rien qu'en ajoutant ça et ça, ça fait déjà les 300 gemmes de dépasser pour un star drop légendaire. Ça pique. Ça pique, et j'ai pas envie de, pas encore de, d'être deux. J'ai pas envie d'arriver en dessous des 4000 là. J'ai pas envie. Hein. De toute façon, on va acheter le skin, ça c'est clair. Hein. Là, donc, Poly Athena. C'est parti. On y go. Voilà. Le skin pour ma petite Piper. Voilà. Donc le spray va arriver. Hein. Le spray, j'attends le spray. Là. Et on ouvre ce tout petit star drop qui est épique. Épique et qui nous donne la petite émote d'Elisa. C'est pas mal. Alors en plus, ça tombe, on va jouer sur le mode de duo. Alors Piper, j'ai acheté son hypercharge. Hein. Vous l'avez peut-être vu, j'ai acheté son hypercharge au moins. Tac. Voilà. Ça, j'aurai son hypercharge. Ouais, c'est bon, on va pas mettre le spawn, on va rester comme ça avec l'hypercharge. Donc vu que j'ai acheté son hypercharge et toutes ses émotes et tous ses cosmétiques avec, c'est déjà méga cool. Voilà, on va la jouer comme ça avec le map de duo. Le map de duo, on va jouer bien amant. Hop, visée automatique et tir de recharge. Et vu qu'on joue Piper Athena, les gars, je suis obligé de mettre la musique de Athène, hein, de Mario Kart. J'ai pas le choix, c'est la tradition. Si j'avais le choix, mais bon, je le fais parce que c'est la tradition. Je le fais parce que Athènes, Athéna, vous avez compris. Allez, hop, on est parti, map de duo, let's go. Je vais pas m'en attendre plus sur ce que ça, sur le map de duo. Un petit peu visé. Voilà. Par contre, c'est vrai que son premier star power, son second star power ne marche pas sur les boîtes. Ok, génial, génial. Ça commence fort. Ça commence déjà assez très fort là parce que. Ok, donc là, j'aime un petit peu. Là, j'ai pas trop le choix de rester coupé parce que sinon. Ouais, pouce rouge, t'es mort, hein. Donc écoute. Fail sur le. Attention. Bien joué. Ok. Ok, on peut continuer. Premier star drop encore avec mythique. Besoin du crédit. Bon. Des Solar 3. On va pas aller loin avec ça, mais bon. Oh, génial, une marque comme ça, c'est terrible. Piper, double Piper Athena avec Piper. Piper Carnival. C'est chaud parce que forcément, faut que le Dina en côté. Là, on va jouer plus. Voilà, ça y est. Déjà, au moins, on a pu jouer sur. Attention. Le Dina.
péter tout ça. Déjà top 2. Déjà top 2, bon, on pouvait pas faire grand chose. J'ai fait juste que de péter les murs. Elle m'a dit, elle a quasi rien fait à part s'évader. Rien non plus, hein. Il a fait quoi à part s'évader le Mortis? Rien. Mais au DRP que j'ai toujours pas débloqué, parce que j'ai pas joué en ranked encore depuis hier. Attention à Franck. Après avec Franck, gardez juste la distance et c'est bon. Garder la distance et c'est bon. En plus, j'ai même pas utilisé hypercharge de Piper, mais j'ai jamais eu l'occasion de. Bah là, j'ai pas l'occasion de tester son hypercharge. Oh là là là. Alors, je vais pas mourir du poison. Merde. Merde. Je crois que fallait pas. Bon, au moins, avec Franck, c'est chaud. Oh là là, c'est chaud. C'est plus chaud. On peut pas faire beaucoup avec Piper quand t'es comme ça. Surtout contre Franck, c'est pas une damage dealer, Piper. Enfin, un petit peu aussi, mais... Franck, il peut se régénérer facilement, et pour vraiment... Faut vraiment limite pas rater quoi. Tu rates un tir, Franck il peut se régénérer à fond et c'est quasiment mort quoi. Ça faut limite faire presque un sans faute pour gagner contre Franck. Hop, ça. Là ce qu'on fait, on se met un peu plus haut. Mais j'ai presque une hypercharge, regardez. Putain, c'est bon, je l'ai. C'est bon, j'ai mon hypercharge du coup. Oh là là, et franchement, j'aurais pu faire double knockback, ça aurait bien pu fonctionner. Hein. Le pic, hein, non, ça m'a mis par drop là. Ouh, boom, ça va niveau effort drop là. C'est pas des légendaires, certes, mais. Ça va. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des légendaires en vidéo, mais bon. Deux fois, je crois que ça m'est arrivé, je suis pas sûr. Pas auto aim parce que c'est plus chaud. Très bien, là ça fait. C'est bon. Attention à Lily parce que Lily c'est broken maintenant. Là, c'est ça le problème. Ça le problème c'est soit hop je viens là où il y a quelqu'un, soit je viens là où il y a personne. Et quand je viens là où il y a quelqu'un, et ben je suis mort. Et je peux pas savoir parce que je peux pas voir les directions. Oui, merci, on sait que t'as le skin de Ricochet. Attention parce que là on voit il y a quelqu'un, là on voit il y a du monde. C'est pas plus conseillé d'y aller. J'aimerais bien faire passer par là là mais. J'aimerais bien juste péter ici. Je vais y aller. Je vais péter. Alors jure là c'était vraiment de l'auto-aim à fond et on a tout cassé.
Ok, bon là, Lily, bon, si Rico utilise gadget, c'est bon, c'est gagné. Non, Rico, qu'est-ce que t'as fait? Il aurait pu, oh là 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 là. Pas doué non plus, Rico. Pas très doué. Hop, alors qu'est-ce qu'on va faire? On a combien de temps de vidéo là? Les gars, on a combien de temps de vidéo? On a 10 minutes. Allez, la dernière game et après c'est bon. Piper Athena, Piper Carnaval, les deux se ressemblent, c'est ça le problème, c'est que j'ai l'impression que le skin de Piper Carnaval et Piper Athena, les deux se ressemblent. Et le problème c'est là, c'est le bug des téléporteurs, les deux sont rouges, en fait il y en a un qui est rouge et un qui est jaune. Téléporteur, il y en a un qui est rouge, il y en a un qui est jaune, et forcément ça c'est un bug. On recommence parce que bon, elle était rapide celle-là. On a fait que de gagner. On a fait vraiment que de gagner. Oh bah génial, ça va pas durer longtemps. Ah, une nouvelle Piper Athena, tout le monde l'a acheté. C'est dommage, il aurait pu. Hop, c'est bon, dernière game, tant pis pour le Star Drop, hein, tant pis, c'est pas grave, hein, de toute façon, voilà. Dernière game, les gars, voilà, on va pas tenter. Donc, voilà, c'était tout pour la vidéo sur Piper Athena, j'espère que ça vous aura plu. Donc il reste très plus, il y a le skin d'Angelo, il y a le skin de RT, et si possible, si je peux obtenir le skin de Melody dans mes Star Drop Rank 4, ça serait très bien. Voilà, après, il me reste 4104 gemmes, hein. Ah, c'est plus beaucoup, hein. On commence à devenir en gemme. Voilà, ça commence à le faire, hein. Ça commence à baisser. Allez, ça commence à baisser, je veux dire. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à plus pour une prochaine. Salut !